Des annonces tardives, donc on l'a compris, qui sont accueillies avec beaucoup de scepticisme par le personnel soignant. Oriane Plumet est membre du collectif Interurgence et ses priorités sont aujourd'hui ailleurs. Bien sûr que il fallait à un moment donné qu'ils pensent à une revalorisation, mais aujourd'hui ce qu'on demande c'est absolument pas une prime pour nous remercier d'être au front. C'est effectivement notre travail qu'on fait au quotidien et on le fera quoi qu'il arrive. Là ce qu'on demande nous aujourd'hui c'est qu'on puisse avoir nos lits en réanimation, qu'on puisse avoir suffisamment de respirateurs, qu'on puisse avoir suffisamment de masques, de casaques, de surblouses pour pouvoir se protéger quand on va prendre en charge les patients et pour pouvoir du coup protéger aussi que ce soit les soignants ou nos proches. Et des effectifs suffisants et des lits suffisants pour pouvoir prendre en charge les malades.